Sauver ma peau. Les mots durs de Charlotte Gainsbourg sur sa fuite à New York après la mort de sa sœur. Invitée dans les studios de France Inter ce vendredi 7 avril, Charlotte Gainsbourg s'est confiée sur la mort de sa sœur aînée. La comédienne a ainsi révélé pourquoi elle avait décidé de s'exiler à New York quelques mois après le drame. Une tragédie qui a bouleversé sa vie. Ma mère, elle était évidemment très mal à ce moment-là, ma sœur Lou aussi, mais je voulais sauver ma peau, a-t-elle confié dans l'émission Totémique sur France Inter ce vendredi 7 avril, ajoutant qu'elle a alors eu l'impression de renaître là-bas. Il y avait un lien aussi avec ma sœur Kate, parce que son père était anglais mais vivait à New York. Je me raccrochais à des trucs. Charlotte Gainsbourg épanouie dans sa nouvelle ville. Charlotte Gainsbourg a donc débarqué dans une nouvelle ville où elle n'a alors aucun repère. Et c'était une nouvelle jeunesse et un anonymat, que j'ai découvert. Je n'allais pas pour ça, mais c'était incroyable, a-t-elle ajouté. Malgré tout, l'actrice a précisé qu'elle aimait revenir à Paris pour rendre visite à ses proches, mais aussi pour se lancer dans de nouveaux projets professionnels. Elle n'oublie toutefois jamais de rendre hommage à Kate Barry dès que l'occasion se présente. Ce samedi 8 avril 2023, alors que sa sœur aurait dû fêter ses 57 ans, elle a tenu à partager sur Instagram un poème du romancier irlandais James Joyce. J'attends près du cèdre, ma sœur, mon amour, le sein blanc de la colombe, mon sein sera ton lit. La pâle rosée recouvre, comme un voile ma tête. Ma belle colombe, lève-toi, lève-toi. Pouvait-on ainsi lire ?